Aujourd'hui, j'ai décidé de tester les pires applications de Fortnite. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il y a des applications totalement what the fuck de Fortnite. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de tester et d'installer les pires applications autour de Fortnite qui peut exister. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu, ça soutient la vidéo. Et si on a les 10 000 likes, je ferai une carte V-Bucks comme celle-ci dans les commentaires à un abonné. Merci en plus en ce moment, vous êtes beaucoup à découvrir la chaîne YouTube et à vous abonner. Donc si t'es nouveau, le petit bouton rouge et t'appuies sur la petite cloche des notifications, on rush les 600 000 abonnés. Et n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique de Fortnite en bas à droite avec le bouton soutien un créateur. Et vous pouvez rentrer mon code créateur les amis comme celui-ci, c'est code créateur PJP. Mon code créateur il est super simple, en minuscule ou en majuscule, PJP 3 lettres et vous cliquez sur accepter. Comment installer des applications Fortnite? C'est très simple. Sur mon ordinateur, j'ai installé une tablette virtuelle qui va nous permettre de télécharger les mêmes applications que sur un téléphone. Voilà à quoi ça ressemble les amis, vous voyez que c'est comme une tablette virtuelle. Et pour télécharger les jeux, je vais aller sur le Play Store, c'est ce petit logo là. Une fois arrivé sur la page des jeux les gars, vous voyez que je peux installer tout ce que je veux, il y a même une barre de recherche et nous ce qu'on va taper forcément, on va taper Fortnite. Ok, donc je tape Fortnite, let's go, on lance la recherche et est-ce que à votre avis, il y aura le vrai jeu. Quoi? Mais attendez, je suis choqué, il y a marqué aucun résultat pour Fortnite. Voici quelques applications qui devraient vous plaire, mais il n'y a pas le vrai Fortnite. Bon, du coup, je m'en doutais un peu. L'objectif de cette vidéo, c'est de tester des applications d'arnaque et de tester les autres applications qui copient Fortnite. Déjà, on voit quand même que Call of Duty ont payé car c'est la première recommandation. Il y a Call of Duty, un jeu de golf, ça nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est des applications Fortnite. Je vais taper Fortnite compte. On va rajouter juste le mot compte. Regardez, on a pas mal de recherches sur le côté. Il y a plein d'applications qui sont à peu près qui copient Fortnite. Il y en a une qui m'a tapé à l'œil, c'est avec Travis Scott, les gars. Il y a marqué Fortnite Wallpaper Battle Royale HD 2021. Il y a plus de 1 million de téléchargements. Celle-ci, c'est sûr, je l'installe. Regardez en plus les images, on dirait qu'on peut jouer au vrai Fortnite. Ça a l'air d'être une tuerie. En plus, c'est pour les enfants qui ont 3 ans, donc j'ai l'âge. Hein. Franchement, j'ai l'âge pour l'installer. Ok, donc on clique sur installer. Et là, du coup, let's go, c'est en train de se download juste là. Le temps qu'elle s'installe, j'ai vu une autre application qui m'a l'air énervée. Des Chest Simulator Fortnite. Ça me rappelle un peu genre Clash Royale. Il y a aussi plus de 1 million de téléchargements. Ça, je vais directement l'installer. Oh, par contre, regardez les images, ça tue. On dirait que c'est un peu Clash Royale. Regardez, il y a des images juste là. C'est sympa. Là, on dirait qu'il y a des quêtes. Là, il y a des skins. Bon, vu qu'il y a 1 million de téléchargements, les gars, ça part. Je clique sur le bouton installer. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Bonne nouvelle, la première application a fini de se télécharger. C'est Fortnite Wallpaper et c'est le logo de Midas. On va directement la lancer. What the fuck, les gars, je démarre l'application. Regardez ce qui se passe. Il y avait une image vraiment pas jolie. What, mais qu'est-ce que c'est que cette application du diable? Les gars, regardez la qualité. C'est horrible. Il y a un taxi. Il y a des skins et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en plus, il y a beaucoup de vues. Il y a 3000 vues sur cette image. Donc, si je comprends bien ce que j'ai installé, c'est juste des fonds d'écran Fortnite. Mais regardez la qualité, c'est horrible. Bon, sincèrement, c'est la pire application. Depuis tout à l'heure, je suis en train de scroll, mais regardez, c'est laid, c'est horrible. Genre, tout est de mauvaise qualité. Bon, j'ai décidé de quitter cette application. Elle était vraiment pas ouf, mais j'ai une bonne nouvelle. L'application Chest Simulator a enfin terminé de s'installer. Oh, les gars, regardez, ça vient de se lancer. Il y a la musique et tout. On dirait le vrai Fortnite, les gars. Il y a marqué hashtag Free Fortnite juste en haut en plus. Avec la musique là, let's go. Yeah, on dirait, ouais, les gars, j'ai installé un faux Fortnite, c'est trop stylé. Ok, du coup, là, moi, je vais ouvrir des coffres. What, je viens de gagner des V-Bucks. Les gars, j'ai gagné des faux V-Bucks, il y a marqué 2000 V-Bucks en or. Bon, je viens de réussir à baisser le son était horrible. Mais par contre, j'ai des V-Bucks, donc hop là, on débloque les V-Bucks. Alors, il y a marqué warning, ok, on s'en fout, moi je veux retourner au jeu. Oh, du coup, regardez, le jeu c'est ça, mais putain les gars, ça a l'air stylé pour le moment. Et regardez, je me décale un peu la caméra, ces coffres là, ils sont gratuits. Ceux là, ils coûtent 500 V-Bucks, ceux là, ils coûtent 300 V-Bucks en or, c'est pas les mêmes V-Bucks. Et eux, ils coûtent ADS plus 100 V-Bucks en or. Je sais pas ce que ça veut dire, mais les gros lamas, ça a l'air d'être le truc le plus stylé. Il y a des défis, il y a un casier, il y a un système de casier, les mecs, regardez, avec des skins à débloquer. Mais attendez, on va sécher le jeu, les gars. Il y a aussi un genre de boutique, on peut payer des V-Bucks en or, mais ça n'a aucun sens. What, on peut même acheter un méga coffre de V-Bucks, les gars. Bon, on va peut-être faire les pigeons, mais pour moi, c'est pas prévu. Les refs, je crois qu'on va s'ouvrir un premier coffre gratuit, on va cliquer dessus. Ok, donc on clique dessus. Oh les chacals, t'es obligé de te prendre une pub pour ouvrir le coffre. Ok, la pub est terminée, j'ai juste à cliquer et on va du coup débloquer le coffre. Mais attendez, en plus c'est stylé, c'est genre une espèce de roue de la fortune. Attention, qu'est-ce que je vais avoir, des V-Bucks? Mais non, j'ai eu 132 V-Bucks. Bon, ça a pas l'air ouf, mais bon, on récupère, tu vois. Du coup là, il y a mon compteur de faux V-Bucks, les amis. J'ai 132 V-Bucks et 2000 V-Bucks en or. Bon les gars, sincèrement entre nous, j'ai 2000 V-Bucks en or. Je vais m'acheter le méga coffre. Bon du coup on ouvre le méga coffre, let's go. Là, il y a pas de pub en plus. On clique. Allez, une dinguerie. On peut gagner des skins? Ah ouais, s'il vous plaît, un petit skin là, ce serait énervé. Ok, un skin. Non, j'ai failli gagner des skins. J'ai gagné 57 V-Bucks en or. Bon, les gars, j'arrête pas la vidéo tant que j'ai pas obtenu un skin. Je réouvre un coffre. Let's go, je veux une dinguerie. Mec, en plus, il y a pas mal de choses. Allez, la roue de la fortune. Ok, il y a des mongorgons ici. Un skin. Non, j'ai une pioche. Mec, je voulais un skin. Allez, on réouvre. On en ouvre un encore. Allez, on s'arrête plus, les gars. Allez, cette fois-ci, j'espère avoir de la chance. Oh, des V-Bucks. Est-ce que c'est beaucoup ça? 193, mais ça rembourse pas le coffre. Je le paye 300. Allez, celui-ci, c'est la bonne. Allez, ouais, les gars,
ça devient, je deviens addict en fait, c'est trop stylé d'ouvrir des coffres comme ça. Ok, j'ai débloqué un petit planeur, ok, c'est pas dégueu. On en ouvre encore un, les gars, j'utilise tous mes V-Bucks en or. Allez, là, j'espère avoir une petite dinguerie. Ok, un skin, oui. Oui, les gars, let's go. On a réussi, le premier skin est débloqué. Oh, regardez là, les skins débloqués, il est là. Et je peux l'équiper. Ok, donc j'ai équipé le premier skin, je vais équiper une pioche. On peut skipper une pioche aussi et équiper le planeur. Franchement, c'est pas mal. Je viens de cliquer là-dessus et pour 50 V-Bucks en or, j'ai eu 500 vrais V-Bucks. J'ai enfin assez de V-Bucks pour m'ouvrir le coffre bleu. Je voulais vraiment l'ouvrir. On va aller voir un peu ce qu'il y a dans ce coffre. Ok, let's go, je l'ouvre. C'est la première fois que je l'ouvre celui-là. Et du coup, j'ai débloqué quoi? J'ai débloqué un planeur. En vrai, c'est pas mal. C'est le petit planeur Raptor. Bon, c'est clairement un gros plagiat de Fortnite. Je pense qu'ils ont pas du tout l'autorisation. Et on débloque un skin pour terminer cette application. Je valide. Maintenant, les refs, faut trouver d'autres applications. Là, on en a testé deux. J'ai trouvé une application qui a l'air pas mal. C'est Compagnon pour Fortnite, carte boutique arme. Elle a l'air trop bien foutue, l'application. Attendez, là, j'ai trouvé un truc pas mal. Là, regardez le logo V-Bucks. Il y a marqué Free V-Bucks Counter et V-Bucks for Free Calculator. Cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de téléchargements. Il n'y en a eu que 50 000. Et regardez les images. On dirait que c'est un truc pour générer des V-Bucks. Ça a l'air vraiment stylé. Celle-ci aussi, les gars, c'est parti. Je l'installe. Pendant ce temps-là, mon application Compagnon Fortnite vient de s'installer. Je vais directement la lancer. Ok, l'application vient de se lancer, du coup je dois cliquer sur Battle Royale. Et là maintenant, il y a tout un tas d'options. J'ai l'impression que c'est une application qui est faite un peu pour les noobs. Les gars, regardez, là, il y a les dégâts des scars, etc. Leak et cosmétiques, emoji, genre vraiment, je comprends que dalle à l'application. On peut voir aussi le nom de ces statistiques. Je vais mettre les statistiques de mon skin Fortnite par exemple. Ça par contre, c'est très 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 stylé. Au total, on peut voir que j'ai 1000 wins. Ici, des top 10, j'en ai 2000. Et des top 25, j'en ai 4000. Sincèrement, cette application était quand même assez stylée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir des V-Bucks. L'application Free V-Bucks Counter installé, on va la lancer dès maintenant. Oh, déjà, on a une petite écran d'accueil là. Free V-Bucks calcul 2020. Oula, attends, par contre, il faut que j'accepte des trucs. Ok, donc il y a deux boutons qui s'offrent à moi. On va cliquer sur le premier, let's count. Donc nous, on veut calculer Free Skin Calculator. Venez, on prend ça, tiens, on va tester. Donc là, il y a marqué entrer les V-Bucks à monde. Donc là, faut rentrer la somme de V-Bucks que j'ai, je pense, sur mon compte. Donc on va dire que j'en ai 1500, tu vois. On va dire que j'ai 1500 V-Bucks. Could know. Donc il y a marqué Daily V-Bucks. Mais what the fuck, je comprends que dalle, mec. En gros, si j'ai bien compris, il fallait que je mette plus de V-Bucks. Donc j'ai mis 20 Daily V-Bucks, mec. Mais je comprends que dalle à l'appli. Eh, les refs, sincèrement, j'essaye l'application, mais je comprends rien du tout. Mais les gars, faut encore mettre des chiffres, je comprends que dalle. On va mettre 999, on va mettre le plus de chiffres possible dans le générateur. Voilà, là tu comprends que je veux des V-Bucks. Membre, il y a marqué 6.0 V-Bucks et 3 skins, mec, ça... Je comprends que dalle. Ce que j'ai fait les potes, c'est que j'ai abandonné. On va trouver une autre application. Et j'ai trouvé une application, c'est créateur de skin Fortnite Révolution. Franchement, c'est une application pour créer ton skin Fortnite. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de me faire moi en version skin Fortnite. Ça peut être stylé. Oh les refs, sincèrement, j'abandonne de faire mon skin. C'est trop galère. Eh, regardez comment il est moche mon skin. Notez sur 20 mon skin dans l'espace commentaire. Eh, il a des palmes. Il a un truc de motard. Il a la coupe à Joule, frère. C'est horrible. Oh les gars, j'ai trouvé une nouvelle application de V-Bucks. Free V-Bucks. On va aussi l'installer celle-ci. Elle a l'air un peu mieux développée. On voit les images là. Ça donne un peu plus envie. Dernière application, c'est la dernière chance pour obtenir des V-Bucks. J'y crois pas du tout. L'application s'appelle Free V-Bucks. Ouh là là, les gars, il faut utiliser un compte Google pour continuer. Eh, ça, les gars, j'utilise pas du tout. C'est mort. Ne faites jamais ça. Il y a énormément de risques que ce soit une arnaque et qu'ils prennent possession de vos comptes Google. À l'écran, il y aura mon adresse mail qui sera floutée, les refs. Mais vous le voyez que c'est une arnaque. Donc vraiment, faites attention. Vous l'avez donc compris, il y a des applications qui se font passer pour Fortnite qui essayent d'arnaquer. Donc vraiment, c'est un message de prévention. Faites attention. Si la vidéo t'a plu, mon ref, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, des notifications et le code créateur PJP dans la boutique. C'était Power. Ciao, les refs.